Bonsoir tout le monde, jeudi à c'est lundi 14 mai 2018 et c'est toujours un plaisir pour notre la caillou présenter au journal Mitan Journée sous télévision nationale d'Haïti. Pourquoi elle est là, on a démarré journal là avec information qui concernait individu moun pa rive identifié qui l'ouvrit coup d'armes sous bâtiment siège social électricité d'Haïti EDH qui trouvait dans Angri Chareron ak boulevard Ritrouman dans la nuit 10 pour l'ouvrir 11 mai 2018 l'an. Ministère communication qui condamné attaque ça annoncé autorité policière et judiciaire a mené enquête pour faire lumière sous Zaxa. Pendant le rappeler promesse président public là pour mettre courant dans pays avant finissement mandat, ministère communication renouvelé engagement à l'administration Moïse à gouvernement Lafontan pour fournir service à la population. L'autre information, secrétaire d'État sécurité publique là Ronsard Saint-Cyr annoncé ville Akaye Paris pour recevoir 18 mai cap vini là cérémonie fête drapeau. Sous parole qui t'a fait quoi gain mésentente entre magistrat Akaye avec l'État central là, mais c'est Saint-Cyr fait connait toute bagaille a marché sans problème sorti dans construction stang pour arriver dans sécurité chaque monde qui pral participer nan fait ça. N'invite au suivre yon extrait nan déclaration li t'a participé nan émission mise au point. Pas de problème akaye. Te gòm pa entendu, ça le teye. D'habitude, nous mettez stand nan dans la rue a, on te espace devant pour majorette, fait si exhibition par rapport à fête drapeau. Bon place bien. Pas ça. Mais cette fois-ci, en dernière minute, décidé pour nous faire sur place là parce que nous avons un espace devant net. Pour l'armée qui a fait défiler par là. OK? Là, tu as malentendu. Mais je n'ai pas allé avec le staff là. Mais comme mon cap construit ça dans son tierce personne, je ne vais pas entrer dans la question. Je stand, je vais le faire vert. Je finis de travailler au cabaret. Travailler à d'ailleurs, le président fait une journée, semaine dernière, à Kaye, à bail équipement de la caravane, à superviser jusqu'à 8h du soir, tout travail qu'il a fait dans la rivière ou dans la zone, dans la caravane. Donc là, nous venons au gouvernement, c'était cordialement nous parler. D'ailleurs, fête drapeau, c'est la fête en ville et fête en nation. Donc, qui s'en emmerde pour le faire, c'est remettre les villes là, à autorité de venir, hein, pas rien de compliqué. Et puis, rapidement, faire la lumière, et puis, pendant qu'il n'a pas parlé avec le magistrat, et puis, travailler et continuer. Comme il était fait préparer pour la salle, pour fête là, quand on va mettre le stand sous place là, qui parle peut-être d'insalubrité, à son avis, et puis, il était parlé avec un. Constructeur qui est une personne qui va à l'État, qui tente que va le faire vert. Et puis rapidement, nous avons fait un travail cabaret, nous travail à carrière, nous avons invité le maire là, pardon, le prêtre, comme d'habitude, et puis nous avons fait la place là, et nous avons le maire là. Pendant que nous dans la palais, nous avons fait. Elle dit, nous attendons nous avons ça. Pas de bien. Pas bien, pas bien, pas bien, pas bien, ça du tout. Non, on te donne dans la presse, peut-être. Tout le temps dans la presse, c'est que moi, ce qui a dit, nous, pour le moment, c'est par rapport à la position standard dans ce passe public là. Parce que le fond fait espace pour l'armée évoluer. Fait parade par là. Parce que l'armée pas fait parade avec la police. L'armée fait parade en ligne droite. Fond l'espace pour avancer, c'est le protocole. Même au niveau de protocole, nous faisons capable ou apprendre si tu es l'armée, le protocole en cérémonie. Ouais. C'est pour me résumer la mère à l'effilé. Yep. Pour résumer. Donc c'est, tout ça prend. Ça prend. Mm-hmm. Alors là, plus de peur que de mal. Ah non, on doit prendre que dans Mérilla, travail va recommencer. Okay. Mm-hmm. Il y a une grosse promesse du gouvernement fait magistrat, non? Non, mais pour là déjà, équipement est là, nous baillons machine pour ramasser Fatra. Jeune archer droit a fait drapeau. Il a fait chapeau. Si vous rentrez en petit moyen, il y a président de métier, vous avez un bel net. Et le président, c'est qu'à l'avenir, tout drapeau haïtien, même si le drapeau qui va mettre l'ambassade en Espagne ou bien aux États-Unis, il va marcher à Cayenne. C'est la cité du drapeau. Voilà. Donc ça va créer un emploi aussi. Absolument. Okay. Mais question sécurité à tout, parce que moi, avec le secrétaire d'État sécurité publique, là, vous avez regardé lui, sur le secteur va à Cayenne, côté présidentiel là. Mm-hmm. Qui dispose sur le point là. Nous faisons un petit travail sur ça. Mm-hmm. Hein? Je suis avec l'autorité, maire, la police, délégué, vice-délégué, Kazek, tout le bagaille en forme, c'est le calme plat, tout le monde aligné, c'est bonne entente, drapeau à fêter dans l'union, Jean drapeau à vler là, symbole à vler, comme ça, l'union fait la France.
Voilà, c'était le secrétaire d'État, sécurité publique, là, Léonce Saint-Cyr, qui t'a porté explication sur l'organisation fête drapeau dans Villa Caillé qui avançait à grands pas. N'a quitté pas bon ici, n'a faux coup de pied dans le département NIP. Gayon assise un criminel sous assistance jury qui démarrait dans le tribunal première instance en Savo 14 mai 2018 là. C'est pour combattre détention préventive prolongée. Assise ça, qu'a réalisé sans juridiction ça, selon M. Faubert Lecomte, commissaire gouvernement, qui demande des collaborations aux différents acteurs qui impliquaient non chaîne pénale là pour assise là, qu'a réussi. Anne-Miriam Loiseau pour plus de détails. Il y a une session criminelle qui démarrait dans le tribunal premier instance au Savo 4 mai 2018. Le tribunal criminel là, cap CG sans assistance jury, a pourtant des 8 cas qui ont là-dedans plusieurs individus pour présumer implication dans vol, viol, assassinat, association malfaiteur, pour ne citer ça ou seulement. Faubert Lecomte, commissaire gouvernement en Savoie, m'a dit tout acteur qui impliqué dans la chaîne pénale là, toujours collaborer, une façon pour assister à une réussite. Tout acteur nous dit motivé. Parce que ils ont toujours fait ça, ils ont toujours travaillé de concert. Non, commissaire gouvernement, greffier, huissier, juge, et bien d'une façon pour être capable de juger, pour être capable de sortir. Maître Faubert Lecomte encourager moun en savon pour venir assister à l'audition. C'est un objectif pour la population justice à combattre détention préventive prolongée. Assise criminelle, ça, assistant jury, ça, qui a fini 17 milliards. Après réaliser dans la juridiction en Savo. Anne Myriam Loiseau, Métropole NIP Miragouane pour TNH. Merci Anne Myriam Loiseau. Ministère agriculture, ressources naturelles et développement rural en tête collée avec Fondation Unie pour alimentation FAO remettre matériel agricole by 3 associations pour dicter lettre dans commune Tomazo, Gressier et Damien. Initiative ça rentré dans quatre projets pour renforcer production lait dans pays d'Haïti. Projet ça coûté $600,000 américains d'après autorité concernée. Un reportage à 5 croix paquet. Dans matériel ça yo, 3 associations qui travaillent dans production filière lait là bénéficient à permettre de renforcer capacité production yo d'après directeur production animale là dans ministère agriculture agronome Roger Rosen Jasmin. Le ministère d'agriculture tout en misant sur votre professionnalisme et votre savoir-faire pour une valorisation efficace de ces lettres, prend l'engagement solennel de vous accompagner sur le plan technique, managérial et commercial. Je vous promets un meilleur rapprochement entre les directions techniques du ministère et ces lettres afin que ces produits, à savoir le lait stérilisé et le yaourt, puissent atteindre le standard international. Représentant adjoint Fondation Unie pour alimentation, Walter Oliveira, expliquait FAO prend engagement pour accompagner les producteurs. La fonction de la FAO dans tous les pays où on travaille, c'est simplement d'aider le ministère de l'Agriculture, le gouvernement, à implémenter des idées, des projets, des stratégies ou améliorer les conditions de vie de la population rurale. C'est ça qu'on fait ici en Haïti. La FAO a beaucoup d'expérience, a beaucoup de connaissances, et on porte ça pour aider les gouvernements à implémenter des activités pour aider, pour améliorer les conditions de vie des producteurs, surtout les petits producteurs. Bénéficiaires remercient le ministère de l'Agriculture et FAO pour don ça qui va permettre de renforcer la filière lettre là. L'étude de Tomazo déjà, c'est une réussite pour le producteur de Tomazo qui était déjà pas gagné au marché pour vendre lettre. Et l'étude de Tomazo déjà fait un pire effet si le monde de Tomazo qui a pas de l'agricole à travers les trias. Les plats vendent bien, ils font corps, ils permettent que les gens à l'école, je le dis. Les tri Tomazo permettent aux producteurs de Tomazo de jouer une possibilité, de jouer un corps, de mettre un poche chaque 15 jours ou bien mois. Comme ça, déjà son corps qui a fait un roulement en carrière, qui a payé l'école. Déjà, son gros ici pour toute partie des saillots qui ont collaboré ensemble, qui te permettent. Qui est venu gagner
les tri ça dommageux pour permettre que si vous qui pas dans l'école yo vivre à l'école. Distribution matériel et équipement adapté ça yo après à poursuivre dans plusieurs communes dans pays. Merci Saint-Croix Paki. L'autre dossier dans le journal ça, secrétaire rapporté commission affaires étrangères Sénat, sénateur Kedler Augustin exprimé satisfaction li pour décision Nations Unies prend pour changer Suzanne Page comme chef mission Nations Unies pour appuyer la justice haïtienne. Selon sénateur Augustin, c'est une victoire pour diplomatie. Nous invitons à suivre une bout de déclaration dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Webrich. C'est une victoire pour diplomatie. Il faut que je dise que je suis passé dans pile média et je fais une déclaration officielle pour me condamner la déclaration que le représentant secrétaire spécial, secrétaire général des Nations Unies a fait. Lorsque tu as un juge qui te recevra plainte pour des ordonnateurs et comptables de deniers publics dans le cadre d'enquête sur l'utilisation des fonds Petro-Caribé, que le Sénat lui-même l'a fait. Moi, j'ai très estomacé, je suis capable de dire en créole, et moi, j'ai estimé que non seulement c'était une arrogance, une ingérence grave, mais également, diplomate des Nations Unies ont fait preuve de toute insuffisance que le gagnait pour être capable de mener à bout une mission que les Nations Unies voyaient dans le cadre de renforcement démocratie, renforcement institutionnel. Mais moi, je n'ai pas de comprendre que les gens sont experts des Nations Unies. Pour pas qu'on ait, quand on prend le peuple, quand on parle, quand on dit, ouais, peut-être au Caribe, quand on comprend ça, mais l'autre dit, nous sommes experts dans son génie qui vient travailler sur ça. On va connaître l'élément, bagaille élémentaire, ça en matière de justice. Donc, moi, j'étais obligé de venir énerver et je suis bien content, moi, saluer la décision que le secrétaire général Nations Unies prend pour que yo levé Mme Suzanne DiPage, bon côté pas nous au niveau du Sénat de la République, au niveau du bloc majoritaire, parce que quand même, c'est moi-même qui t'ai proposé collègue de résolution et tous les collègues. J'ai voté résolution ça à l'unanimité qui permet que je dis à dossier à l'encontre des côtes. Moi, j'estime quand même que son grande satisfaction, je ne vais pas parler de victoire. Victoire, c'est que le dossier Petro-Caribe doit faire cool pour que je dis à monde qui était bien géré l'argent de l'État, pas qu'il y a monde qui fait au mal, mais monde qui était mal géré tout, yo prend ça la loi, t'es respecté pour eux. Mais ce n'est pas un politicien qui va décider, soit pour mettre monde la valas l'emblée, pour mettre monde tête calé l'emblée. Eh bien, c'est ça, m'a épargné pays à deux salaires. Président, commission et spéciale sur réforme constitutionnelle là dans le Sénat, sénateur Kedler Augustin, confirmé li recevoir rapport commission et spéciale chambre députée quand travail sur amendement constitution. D'après sénateur Augustin, commission l'a dirigé après le travail sur document, yon façon pour y faire amendement. Yon extrait toujours dans le micro Fédéral Confident avec Moïse Ulbrich. Séance tenante, il était remettre moi en tant que président commission de réforme constitutionnelle en chambre députée. Nous te recevoir, nous commencer l'île, nous gain pour nous rencontrer ensemble avec l'ensemble des membres de la commission qui gagnait sénateur Jean-René Sénatus, sénateur Ronald Larèche, sénateur Dieudonné Étienne Luma, li gagnait tout sénateur Sorel Jacinthe, nous toutes nous sommes membres commission ça, nous pour la semaine prochaine réunis pour nous analyser et travail que vous faites en plus en profondeur, mais pour l'instant, nous avons contenté pour nous multiplier, pour nous bailler chaque membre commission un document, puis travailler avec consultant par eux, et que après ça, nous sommes capables de faire un débat pour nous évaluer ce qui s'est fait. Dans l'ensemble, c'est que c'est un bon travail, parce que c'est un ensemble de dialogues, de concertations qui ont été faites avec beaucoup de secteurs, divers secteurs de la vie nationale. Donc, moi, je pense que c'est une avancée qui fait dans la mesure où. Moun yo rencontre a problème identifié, c'est presque le même problème que nous tout connaissons effectivement. Donc ça qui parle important, c'est la deuxième phase là pour que nous entendons avec l'exécutif ainsi que le comité de pilotage que le président de l'Assemblée nationale là, Joseph Lambert, recevoir tout. Le président te recevoir le comité de pilotage là, donc nous te parlons ensemble avec eux. Yo même tout, yo bien pu apprécier le travail qui est fait au niveau de la Constitution hein, pour faire une véritable proposition capable de permettre que le pays a sorti dans l'instabilité politique ça. Parce que l'instabilité politique, là, non seulement elle favorise l'insécurité dans le pays, mais également elle est nuisible pour l'investissement, pour renforcement de l'économie du pays. Et ce travail, ça, la commission fait, qu'on considère comme préalable, nous-mêmes, nous avons une méthodologie de travail, commission, pas non, est-ce qu'elle a servi avec les comme base? Oui, elle a servi avec les comme base, et dans le sens où elle permet que nous capables de pour situation, ou qui ça que nous voulons, même les techniquement, en tant que professionnels,
gen bagay ou kapab konnen, mais confronter ça konnen à réalité moun la vivre, li pou pa être plus important. Dans l'ensemble, moi j'ai ton coup d'œil déjà sur lui même, moi que gen pile bagay que c'est même Jean Noël tout au niveau dans Sénat, tant kou moun yo ta même régime politique la changé. Il y a plus monde qui croit faut qu'il a changé et moi-même c'est position pas ça tout pour nous passer d'un régime présidentiel côté que gagne des sénateurs à députés qui ta cap vinn moins gagne moins d'interférence dans l'exécutif là moi-même c'est position pas avec un pile membre dans commission hein yo fait nous rapport de ça que gagne pile monde poser question qui veut comme ça tout moi que au niveau question cartel municipal yo que m'te dit que c'est sous problème tout pays a ses fatra c'est vrai mais cependant l'offre nommé cartel ça pour le bon service au lieu que au bataille pour bail service et bien qui s'est passé ou est que premier maire là pas deuxième maire pas troisième maire c'est conflit qui a fait véritablement cabrit qui gagne 3 mètres pour dans soleil gagne nous ca aller un magistrat unique. C'était précision sénateur Kedler Augustin sous question amendement constitution. Sous initiative yon institution ki pote non j'organise yon fwa sou construction kay louvri vendredi 11 mai passé a nan Pétionville. Activité sa ki déroulé pendant deux journées réuni yon groupe compagnie ak business k'ap vann service nan question construction d'après initiateur activité a. C'est tout yon moyen pour sensibiliser population an sou utilisation bonne pratique construction ak utilisation matériaux ki gen qualité pour construire kay. Yo extrait nan micro Esaïe Aurelius. C'est un événement qui voulait réunir tout professionnel qui travaille dans kay ou bien un artisan qui ont article qui ka utiliser dans kay. Et c'est dans cadre ça que jodi a j'aime se dire nous dans salon de l'habitat et c'est avec un pile plaisir que nan même objectif pour nous prendre les bonnes méthodes de construction, les meilleurs matériaux de matériaux qui innovants qui cap utile pour construction ici d'autant plus que nous connaissons que Haïti est un pays qui a un caractère, qui a un caractère sismique. Et nous, malheureusement, même après le tremblement de terre, nous continuons à construire de façon anarchique. Il y a un objectif salon de l'habitat, c'est de mettre nous en face de la réalité. Que la réalité permet que nous construisions l'autre gens, construisions l'autre gens. Ou pas construire aujourd'hui pour demain, ou construire pour la vie. Et de ce fait, pour construire pour la vie, il faut utiliser des matériaux qui sont plus bons, qui respectent les normes internationales et également faut faire appel à des professionnels qui sont compétents. C'est dans le cadre de ça que nous avons lancé appel là. Tout professionnel yo et quelques qui te ban nous retour là. Et c'est pour ça ouais que nous avons à peu près trois entreprises de construction qui c'est Accor, Gencorp et puis Rapodeco. Eh bien, amis téléspectateurs, c'est sur information ça on apprend un coup de pause dans le journal là, pas déplacé, n'a pas tenu un petit moment. Dans l'actualité internationale, l'inauguration ambassade américaine dans Jérusalem a fait jeudi lundi 14 mai 2018 là. Plusieurs ambassadeurs pays membres Union européenne qui en fonction dans l'état hébreu a participé dans l'inauguration ça. Nous invitons à suivre un reportage. Inauguration ambassade américaine en Jérusalem a déroulé lundi 14 mai sous tension. Côté plusieurs ambassadeurs pays membres Union européenne qui en fonction dans l'état hébreu pas participé sauf quelques diplomates roumains, hongrois, tchèques et autrichiens. Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu mandé pour tout pays suivre États-Unis pour eux-mêmes tout transférer ambassade dans Jérusalem. Guatemala et Paraguay accepté invitation ça côté ont décidé transférer ambassade qui Tel Aviv dans Jérusalem. Président Guatemala et Paraguay ap nan inauguration ambassade américaine jeudi a et puis Ivanka Trump ak Maril Jared Kushner fait déplacement. Cependant président Trump pas présent nan inauguration ça. Pourquoi elle est là dans Gaza sur route frontière ak Israël, gen en pile tension entre palestiniens ak soldats israéliens. Côté 22 palestiniens pou pipiti perdi la vie yo. Lundi 14 mai en Bakoudzam, côté en centaine l'autre blessé. Depuis plusieurs jours, plusieurs milliers palestiniens rassemblés dans environ frontière quelqu'un a risqué la vie pour approcher barrière sécurité Israël là qui sous surveillance la mer dans moment n'a parlé là caoutchouc a boulé. Inauguration ça correspond à 70e anniversaire création Israël. Image ça nous pral regarder là c'est image un petit monde qui égaré. Timon ça n'a regarder là il relé Cindy li dans télévision nationale d'Haïti depuis plusieurs jours. Maman relé Carole, papa relé Patrick et puis grand-mère relé Madame l'homme.
nous mandé pour parents Simon ça pas prendre temps venir chercher dans télévision nationale d'Haïti qui trouvait dans Delma 33. Eh bien voilà amis téléspectateurs, c'est la journal la bout pour jeudi à. Merci pour fidélité ou attention. Nous invitons à être branchés télévision nationale d'Haïti pour suivre cette programmation. Pendant souhaiter tout le monde passer une bonne semaine.